Eh bien, salut tout le monde, c'est Moyen Speed. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur GSM, sur le jeu Rings. Donc, c'est un jeu de. Allez, puisqu'on va falloir prendre des décisions, pardon. Pardon, je suis vraiment désolé. Donc, c'est un jeu où on va falloir prendre des décisions. Et. Voilà ce qu'on va devoir faire pour que le roi ne meure pas. Donc. Voilà, maintenant on a le roi Harry. Donc voilà. Ça commence. Guy, le pigeon. Ou Cui, le pigeon aurait dû porter un message, mais vous ne le trouverez pas. Regardez sur le bord de la fenêtre. Regardez sur le trône. Arme. Ok. On va envoyer des hommes. Le peuple souhaite assister à votre réveil et il veut vous voir aller aux toilettes et se frapper pour ça. Ouais, allez. Sire, nous devrions consacrer un peu d'argent à la construction d'une grange commune afin d'éviter la famine. Ouais. Voilà. Un incendie est en train de ravager votre château, monsieur. Sauvez. On va sauver ça. À l'aide, à l'aide. La grange commune est en feu. On a besoin de la garnison. Ouais, allez. Faut qu'on aille au-devant du public. Les explosions sont. Ouais, alors on va ajouter des feux d'artifice. En fait, on peut pas avoir les trucs, on peut rien avoir vide. Faisons comme si je n'avais rien entendu. Ok. Au cours de mes recherches, j'ai découvert une nouvelle méthode pour distiller l'alcool. Partageons sur le feu. Ouais. Alors, de quel côté de la route doivent circuler les chevaux? Moi je dirais trop. Le royaume du sud prétend que vous êtes promis à leur jeune princesse. Nous risquons la guerre en cas de refus. Bah on veut pas la guerre nous. Votre église est faible et le peuple se plaît. Voilà. Donne-nous aussi pouvoir pour faire respecter la loi de notre roi. Le pape est payé. Rappelez le prix. Monsieur, et si nous faisions gagner quelques échanges à l'épée, je peux vous apporter des choses par un peu d'argent. Oh garde. Voilà. Ah, il m'a mis un coup. Ce coup-là va être difficile à parer, ça va faire mal. Voilà, je vais me défendre. Ce coup-là va être difficile à parer, ça va faire mal. Sanglier furieux. Je vais vous attaquer. Ce coup-là va être difficile. Ok. Maintenant, je vais me défendre. Mais voilà, je t'ai eu une fois. Maintenant, je vais me défendre. Tout n'est pas mis à la mort de guerre. Bim! Et voilà, nouveau frelon traite. Vous avez gagné, monsieur. Bon jeu. Puis-je vous suggérer quelques pistes d'amélioration? Ouais. Arrête de monter. Maintenant, je dois utiliser mon argent et l'église. L'escrime dépend de vos choix. L'attaque est brillante et explosive. Et la défense est russe et trompeuse. Continuez. Quand vous vous défendez, quand vous avez une chance de déclencher une attaque spéciale au tour suivant. Continuez. Regardez votre adversaire. Vous apprenez ainsi de nouveaux coups et bottes. Donc, merci. La reine du sud vous offre 40 livres. Nous devrions construire une bibliothèque. Ouais. On doit dépenser un peu d'argent. Monsieur, les loups dévorent nos enfants. Pouvez-nous les chasser? Je m'en occupe. Vous avez eu un terrible accident pendant la chasse. Vous saignez énormément. Docteur.
Si je sens la pourriture se propager dans votre corps, vous mourrez si je n'interviens pas. Vous êtes derrière. Oh, perdre un bras. Je voulais vous donner. Oh non. J'ai plus de bras. La moisson est excellente cette année. Nous, ici, la population. Une épidémie de choléra s'est déclarée dans la capitale. C'est la mort bleue. Quel scandale général. Arthur va être retrouvé dans le lit de la reine. Que dois-je faire exécuter? La reine. Vous devriez avoir une aventure avec Dame Charlotte, les soldats chauds. Non, pourquoi j'ai fait ça? Monsieur, toi que nous n'embrasserons pas. Non. Tu fais pas ce que je veux. Les baronnies de l'Est attaquent. Nous devrons apporter. Ouais, la population. Alors, il y a eu une explosion dans la capitale. Difficile de savoir ce qui s'est passé. Faut-il fermer les portes de la ville? Ouais. Les baronnies de l'Est sont en guerre à nouveau et leur population passe la même frontière en ce moment. Merde. Le mode de vos maudits soldats, mieux ça que nous venons. Qu'est-ce qu'il y a? Un programme derrière un con? Vous êtes présent? Voilà. Il y a trop de condamnés à mort, j'ai besoin de l'aide de l'armée. Ouais. Il est de la capitale au Cria Cartel pour organiser les commerces. Ils veulent un raccord. On a besoin d'argent, de quoi? Le tremblement de terre a détruit une grande partie de la capitale. Les gardes attendent. Je suis obligé, j'ai pas l'argent, c'est bon. Si votre urine sort le rendez-vous ce matin, vous devrez éviter de chevaucher pendant que je dors. Les gens de couvent se sont mis au lit comme des chats et se propagent jusqu'au village. L'armée doit mettre fin à ce mouvement de nonnes. L'église est très ennuyée, mais elle est d'accord. Mettez fin au massacre, évitez les censés d'innocents, jeune femme, je vous en conjure. Ouais, allez. Pour toi. Les meutes sont remplies d'or, monsieur. Nous sommes riches. Si voulez-vous jouer au nez rouge, commençons à parier une petite somme, je ne veux pas vous ruiner. Aidez ce jeté, je suis à peu près sûr d'avoir gagné. Vous ne voulez pas complètement un peu parier? Misons plus. Oh, en fait, il triche. C'est vraiment du assez joli. Non. En creusant pour trouver de l'or, nous avons découvert une crypte. Elle sort le sol. Continuez, vous sortez. Continuez. Parce que là, la vidéo de la machine. On va attaquer. Vous regardez. Est-ce que ça va? Hop! Monsieur, portez des fraises. Seigneur. Ah! Bon, là, je dois attaquer. Hein. Le squelette tombe en morceaux. Vous décidez de ne pas rester pour voir s'il est capable de se rassembler. Les pures sont froides. Excusez-moi. Si vous êtes sèche, votre bouche est sèche. La pioche déclenche sous vos pieds.
Votre agonie est donc douloureuse, Elera. Le roi est mort. Après 32 années. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.